Cieux, écoutez. Hört ihr Himmel. Et toi, terre, prête l'oreille. Und horch auf, du Erde. Car Yahweh parle. Denn der Herr hat geredet. J'ai nourri des enfants. Ich habe Kinder großgezogen. Je les ai élevés. Und aufgezogen. Mais ils se sont rebellés contre moi. Sie aber haben mit mir gebrochen. Il dit, j'ai élevé des enfants. Er sagt, ich habe Kinder großgezogen. Et voilà que ces enfants-là se sont éloignés de moi. Aber diese Kinder sind, haben sich entfernt. Ils sont devenus rebelles. Sie sind Rebellen geworden. Rebelle par rapport à quoi? Warum Rebellen? Par rapport à la parole. Was das Wort Gottes betrifft. Parce que ce que Dieu voit tellement élevé comme ça. Weil was Gott als so wichtig erachtet. Toi, tu négliges ça. Erachtest du als so minderwertig. Car la rébellion est un péché autant que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. So hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ainsi parle l'Éternel. So spricht der Herr. Ainsi parle l'Éternel. So spricht der Herr. Depuis longtemps que je vous parle. Seit langem habe ich zu euch gesprochen. Vous ne voulez pas changer. Ihr wollt euch nicht ändern. Les petites choses qui sont dans votre vie. Die kleinen Sachen, die in eurem Leben versteckt sind. Que vous appelez vos petits péchés. Eure kleinen Sünden da. Je vous dis d'arrêter. Ich sage euch, ihr müsst aufhören. Mais vous ne voulez pas. La manière dont sa parole est à un niveau élevé. So einen hohen Standard legt Gott für sein Wort an. Et nous, on s'amuse avec ça. Und wir spielen damit. On dit le retour à la parole. Wir sagen zurück zum le retour Wort. À la parole. Zurück zum Wort. Mais c'est ce retour à la parole qui va nous amener en enfer si on aber ne n'obéit pas. Diese Rückkehr zum Wort wird uns in die Hölle führen, wenn wir keine réveille-toi, réveille-toi. Wach auf, wach auf. Réveille-toi de tes forces. Wach auf mit deiner Kraft. Tu as de la force contre du hast les sorciers. Kraft gegen die Hexer. Tu as la force contre le péché. Du hast Kraft gegen die Sünde. Crois en l'œuvre de la croix. Glaub an das Kreuzeswerk. Si nous croyons qu'il est Dieu. Wenn wir glauben, dass er Gott ist, mais croyons aussi qu'il nous a donné cette force. Sollen wir auch glauben, dass er uns diese Kraft gegeben hat. Frère, le Seigneur nous demande une profonde repentance. Der Herr möchte von dir eine ganz tiefe Umkehr. De changer notre attitude devant sa parole. Eine Umkehr der Einstellung zu seinem Wort. De changer la manière dont on voit sa parole. Die Art und Weise, wie du sein Wort siehst. La manière dont on néglige sa parole. Die Art und Weise, wie du sein Wort vernachlässigst. Réveillons-nous. Wachen wir auf. Pleurons pour nos fautes. Weinen wir für unsere Fehler. Afin que le Seigneur nous transforme. Damit der Herr uns umwandelt. Ceux qui veulent abandonner le péché, venez devant. Wer die Sünde aufgeben möchte, kommt nach vorne. Avec Jésus-Christ, venez devant. Wer mit Jesus Christus sich wieder versöhnen möchte, bitte nach vorne kommen. Je prie, mon Dieu, mon amour, pour toutes ces personnes
bete für alle que les chaînes du péché soient brisées dans leur vie maintenant. Dass die dans Ketten le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes du péché soient brisées au die nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta puissance se manifeste dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ.